matin de Vibe, c'est petit déjeuner, mais grand réveil. C'est grand réveil de star sur Vibe Radio, le nouveau son. Et ça, ce sont les jours préférés de Brice, en fait. Oui, hein. Hein, les grands réveils où on appelle les jolies femmes. Voilà. Hein. Ou quand il pleut. Il est content comme ça. Ou quand il pleut, oui, on sait. Ça, on le sait. Mais quand on appelle les jolies filles, c'est vraiment... Le pied. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est une chroniqueuse télé que nous avons au téléphone, Brice. Elle s'appelle Marie-Paul Adjé. Ah, tu l'annonces comme ça. Bah, je oui. pensais que t'allais dire oui. Oui, voilà la charmante là. Mais attendez là-bas. Elle a les cuisses claires. Elle est comme ça. C'est au début. Marie-Paul, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va super bien. On te ça va. On te réveille là apparemment. Ah non, je suis déjà debout. Ah non, tu es déjà debout. Alors, il faut que je t'explique ce qui va se passer. Voilà, bouge pas, c'est très important, Marie-Paul. C'est important parce que toute l'interview, tu vois, repose sur cette sur la ce que je vais dire là, voilà. Sur ce que je m'apprête à dire. Et donc, Brice, oui, très impatient, il y a même l'auto, va se glisser dans ton lit, Marie-Paul. Aïe, ça lui fait plaisir. On est comme un, tu voulais ça avant, hein. Arrêtez. Je suis découragé. Hein. Je suis il vient te faire un massage vocal et des caresses vocales aussi. D'accord, je veux bien voir. Ah bah oui, elle veut bien voir. Voilà, allez, je te montre. Ouais, quand tu es gâté, hein. Quand je veux bien voir. Marie-Paul, Adjé, à quelle heure te réveilles-tu en général? La plupart du temps, entre 6h et 8h. Entre 6h et 10h. Non, 6h et 7h. 6h et 7h. Parce que tu t'endors très tôt, très tard. Très tard. Qu'est-ce que tu fais pour dormir tard? J'ai rarement très vite sommeil. Donc parfois, je fais de la lecture ou simplement, je reste à regarder la télé. Quel genre de lecture tu fais? Quel genre de lecture tu fais, Marie-Paul? Oh bébé. Non, j'adore en fait les livres de développement personnel. Donc quand je commence à écouter. Ah, c'est pas sexy ça. Développement personnel. Mais c'est très bien pour l'esprit quand même. Hein. Oui, et la façon vrai. D'être avec les autres, etc., etc. Écoute-moi, je vais te proposer des livres de développement physique. Voilà, ouais. Quel genre ça, de c'est... développement physique. Oh bébé. Alors dis-nous, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta chambre? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une télé, il y a une armoire, c'est une chambre de Barbie, c'est quoi? Déjà, les murs sont jaunes parce que j'adore cette couleur. Il y a une télé, naturellement, un lit, une couette, enfin, tout est beau. T'as pas de fleurs, de pot de fleurs, t'as pas de tableau, non? Non, pas de tableau, pas de fleurs. D'accord. Bah... Y a plein de maquillage partout, non? J'ai une table spéciale pour me maquiller, en effet. Y a pas de place sur cette table, là, je suppose. Ah non, pas du tout, il y en a pas. D'accord. Alors, on va s'intéresser à ton lit. Il est grand comment? C'est un lit de 3 places. Marie-Paul, ton petit corps là. On sait jamais. 3 places. On sait jamais comment. Tu le partages avec quelqu'un de particulier, ce grand lit? Pardon, non, je suis toute seule. Dans ton grand lit? Oui. C'est pour ça que j'hésite dans le conseil, je suis un peu à l'aise de toute façon là. Bon, alors là, c'est toi. Justement, dans ce grand lit, tu dors comment? Sagement ou bien tu es du genre à beaucoup bouger, à être de tous les côtés en même temps? Une danseuse de coupé décalé. Oui, je bouge beaucoup. Tu dors mal, quoi? Très mal. T'es déjà arrivé de tomber du lit, non? Non, trois places. Non. Non, elle peut pas tomber, là. Ouais. D'accord. Et cette fois, c'est à ton sommeil qu'on va s'intéresser. Ah, ça. Ah, ouais. J'ai la première question, la question la plus intelligente de l'année. Quand tu dors, tu fermes les yeux. Est-ce que tu dors yeux ouverts? Ça m'arrive de fermer les yeux. Ouais. Mais pas tous les jours. La plupart du temps, ouais, t'as les yeux ouverts, histoire de voir qui passe à côté de chez toi. Bon, tu dors sur le ventre, sur le dos, sur le côté? Ça dépend des jours. Je panache, je fais un peu de tout. D'accord. Est-ce que tu peux t'endormir sans manger? Oui. Est-ce que tu peux t'endormir sans te doucher? Oui. Tueuse de Kemal. Mais c'est pas possible. Et bien, ride dessus. La sensation de Kemal des cabris. Tu vois, on voit la gauche, tu vois. Hé, hey, mon cher. On dit là, tu vas dire, il est bacro. Sans me jaguer. D'accord. Est-ce que tu rêves beaucoup, Marie-Paul? Oui. Genre? Quel genre de rêve? Non, parfois je pense aux beaux gosses.
Non, je rigole. Aïe. Elle pense au beau gosse. Le beau gosse. Oh, le beau gosse. Tu es gâté. Comment on peut penser? Non, mais est-ce qu'il t'arrive de rêver à des choses plus importantes? Je ne dis pas que les hommes, ce n'est pas important. Et que ces choses-là se réalisent, par exemple, ou d'avoir des prémonitions comme ça en songe? Il m'arrive de penser, par exemple, à des projets, des trucs comme ça. Donc, forcément, après, parfois, ça se réalise. Donc, voilà. Bah ouais, visiblement. Elle a des rêves cool, en voilà, fait. On ne se poursuit pas dans, poursuit pas dans ton rêve avec H ou bien un chien noir. Non, d'accord. Tu vois, moi, c'est pas les gars qui poursuivent les gens. Ils choisissent les gens qui poursuivent. Quand tu es un peu joli, on te poursuit pas dans ton rêve. Ils préfèrent la poursuivre dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est mieux. C'est mieux. Bon, il y a une question qu'on pose à tous nos grands réveillés. Mm-hmm. Et je suis très heureux, vraiment très heureux de te la poser parce que t'es toute belle, t'es toute charmante, t'es toute cool, t'es toute douce, t'es toute câline, t'es une vraie poupée Barbie. Oh, merci. Ça va, je m'arrête. Ah, il faut faire. Comment t'habilles-tu pour dormir, Marie-Paul? Ça dépend des jours, en fait, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on a la radio, mais bon, bon, d'accord, quoi. Non, ça dépend des jours. Bon, lundi, mardi, mercredi, t'habilles comment pour dormir? Voilà, c'est tout. Les jours. Mais là, ça pour nous dire que tu dors, il ne faut pas t'inquiéter. Il n'y a pas les gars qui ont dit ça avant toi. La plupart du temps, je dors, sincèrement. Tu dors nu sur trois places. Tu habites à Kaki. Et les gens, tu voles. J'ai toujours dit à Kim Kardashian de dormir comme ça. Quand les gars sont partis, c'est ça, ils ont vu et puis ils sont partis prendre le bijou. Kim Kardashian. Ah, tu dors toute nue. Ah. Ouais. Et ça répond à quoi, Marie-Paul? Bah, en fait, je me sens plus à l'aise. Genre, je laisse mon corps respirer. Tu aimes la liberté totale. Voilà, c'est tout à fait ça. Mmh. Laisse ton corps respirer. Quoi? J'ai honte. Non, t'inquiète pas. T'inquiète non, pas. On a entendu moi, pire que ça moi, ici. Hein, voilà. Moi-même, je dors nu, donc voilà. Bah, ça ne nous intéresse pas, par contre. Non, ça peut l'encourager. Yeah. Hein. Voilà, soutien moral. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton assiette de petit déjeuner, Marie-Paul? Cornflakes, parfois des saucisses. Ça dépend. C'est petit déjeuner de choco, quoi. Il n'y a pas un vendeur de gabarit dans ton quartier? Ah, si, j'adore le garba. Ah, mais pas au petit déjeuner. Donc, souvent au petit déjeuner, on peut retrouver ça dans ton assiette? Si, on a, bien sûr. Hein. Oh, calme. Il aime ça aussi, hein, Brice. Je chicote ça vite. Chicoté même. Donc, du coup, moi, je vais venir le matin avec deux bons poissons chauds dans un gabarit, Marie-Paul. Voici le garba. Mangeons donc. Mangeons. Et surtout, ne t'habille pas. Sors du lit. Merci Marie-Paul. Je sais qu'il a envie de rester sous les draps avec toi, Brice, ouais. Mais je dois le récupérer là parce qu'on doit finir l'émission. Vraiment. Mais la tradition. Alors, c'est bon, tu peux partir maintenant. Travailler, c'est trop dur. Voler, c'est trop bon. Et donc, avant de partir, Marie-Paul, Adjay, tu vas nous faire a cappella un titre de ton choix. C'est la tradition. Avec la voix du matin, là, c'est trop bien. Ouais. Surtout quand t'es pas habillée. Ok, je vais réfléchir. On va mettre du Dadju, peut-être. Comme okay. Tu veux. Dadju, hein. D'accord. Lyon. Faut faire ce que tu veux. Faut faire, faut chanter. Panthère, crocodile, tout ça. Les gars, ils vont chanter. On est prêts, t'inquiète pas. D'accord, vas-y. Yes-y. Et il rit au début de la chanson. En fait, ça vient là. Ok, vas-y. Vas-y, ça vient. Un peu de respect, faut respecter quand une lienne arrive à te gérer. Un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Et Dieu, c'est bon. Voilà, oh. Ouais, c'est bon. C'est bon. Tu as raison. C'est bon. Marie, tu as raison. Merci beaucoup, Marie-Paul Adjay. Bon, tu es en vacances là en ce moment, donc il n'y a pas oui. De ces midis. Hein. Profites-en bien. Merci. Plein de bisous. Ciao. 6h-9h. Brice Colli et Monsieur de Perpignan vibe ta journée dans le 6-9 sur Vibe Radio.